Kessel revient dans l'enclave. Arrêtez! Avec le plongeon de Subban. Là, c'est plus Subban qui pousse la rondelle dans le coin droit. Permet à Alpern de reprendre, mais c'est Kessel qui reprend. Sort du coin gauche, amène presque seul le tir. Arrête de Price! Mais les kicks là, on pousse sur le gardien. L'arbitre siffle. On arrête le jeu. Oh, Price vient d'en faire un beau. Alors, on a donné du temps à Kessel. Lui, en bon joueur qu'il est, revient. C'est Subban qui s'est fait battre dans le coin d'Ali. Ouais. Subban a un petit peu de difficulté en désavantage numérique. Juste auparavant, c'est lui qui a permis également à Bozak d'avoir une deuxième chance de marquer sur un premier arrêt de Price. Mais là, Price vient de se signaler avec la jambière et la sortie de la jambière droite tellement rapidement. Il était collé sur son poteau. Kessel, à la toute dernière seconde, revient vers l'intérieur. Il est sur son coup revers, cependant, puisqu'il est droitier. Et ça permet au gardien du Canadien de sortir la jambière et de saisir cette rondelle, puisque le joueur était indisposé par sa position du coup revers.